doutais que j'allais te voir, toi. Louis, je suppose que t'as dû te faire plaisir avec ton cheval, la ligne droite. Ouais, effectivement, là, il m'a fait vraiment très plaisir. Il a fait 500 derniers mètres vraiment très vite. Pour faire 4 longueurs sur des chevaux de ce niveau-là, c'est top. Il y a 48 heures, quand t'as vu ton numéro derrière l'Autostar, est-ce que c'est un numéro qui te convenait à la base? Ouais, j'étais plutôt content. L'autre jour, j'ai amené comme un con à le donner au vent. J'ai dit avec le 1, il y a beaucoup moins de chances que je me retrouve à la même place. Non, on a les bonnes places. C'est tout pour Balance, le retour est bon. Les couleurs et tout en plus, on peut pas la rater. Et là, quand même, il a quand même fallu avoir de la chance parce qu'en face, ça sentait pas très très bon. Début ligne en face. Ouais, il faut toujours un peu de chance. Ce qu'il faut, c'est que ça s'équilibre. Un jour t'en as, le lendemain t'en as pas. Bon, faut pas tout le temps être noir, quoi. Tu as cru à quel moment? Parce qu'à mi-ligne droite, on sent qu'un mec d'Eripré a pris franchement le meilleur. Et le tien, bah, il a du terrain à refaire. Ouais, absolument, mais il lâche rien. Il lâche rien, et chaque fois que je le sollicitais, il répondait. Donc c'est pour ça. Puis je voyais que bon, Franck en avait peut-être plus beaucoup sous la pédale à 200 mètres du poteau. C'est pour ça que j'ai insisté. Et voilà, le cheval a été courageux et vraiment, il met son cœur sur la piste, quoi. Et c'est le record de la piste aujourd'hui? Record de la piste, où les conditions s'y prêtent, il n'y a pas de vent, la piste est bonne. Voilà, mais c'est d'autant plus gratifiant pour le cheval. On le revoit quand maintenant? Il va sûrement aller à Cabourg. Peut-être, par contre, il fera l'impasse sur le prix Jockey. Qui est 15 jours avant, et c'est un cheval, on s'est aperçu avec le temps qu'il est mieux quand même à courir à 3 semaines, un mois. Donc il fera peut-être l'impasse sur le Jockey. Enfin, ça, c'est lui qui nous le dira. Il va sûrement aller à Cabourg, par contre. Fabrice, un mec, est-ce que c'est les boules d'être battu de si peu? Non, le cheval qui gagne, c'est un bon cheval. Hein. Il a gagné groupe 1 déjà, c'est un bon cheval. Peut-être plus surpris que battu. Le cheval, après un bon départ à l'entrée ligne droite, il s'est retrouvé tout seul, 30 mètres d'avance, il s'est lâché un petit peu, comme un cheval qui est froid. Donc voilà, peut-être plus surpris que battu, mais c'est des courses, c'est comme ça, mais ça démérite pas. Le village mystique est un grand cheval. Il a fait une super ligne droite, donc voilà, c'est les courses, c'est comme ça. Et le chrono est canon, c'est le record de la piste. Voilà, bah c'est très bien. Le record de la piste, c'est très bien. La suite de son programme, un mec, on va le voir à l'étranger ou pas? Il va à Jägersro le 29. Hugo Habers Memorial. Donc, voilà. Roberto, troisième, satisfait de cette performance? Oui, c'est très bien. C'est une demi-rentrée. Ça faisait plus que moi que les chevaux ne couraient pas. J'ai un peu peur de l'autostar, mais c'est bien. C'est bien comporté. C'est bien. S'il fait sa valeur, il n'était pas tout à fait prêt. Je pense que la prochaine course, ça sera beaucoup mieux. C'est vrai que ce numéro 8, ça le pénalise quand même dans une course comme ça. Oui, en plus, il avait le numéro 8, il devait faire un effort à partir pour prendre la tête. Pas négligeable. Et il termine correctement. C'est très bien. La suite? La suite, il aura en course ici dans 15 jours. Même course, Autostar, par contre, fermé à 600 ou 650 000. Devait être un peu plus facile la tâche.